Je m'appelle Mathilde Grégoire, j'ai 20 ans et je viens des Alpes en France. Quand je suis arrivée ici, je connaissais personne, je suis arrivée toute seule. Puis quand on est arrivé, on a été accueillis par Philippe Laterreur avec d'autres étudiants qui étaient là. Et donc ils nous ont montré nos chambres, fait visiter. Et en fait là, c'est là que les liens ils se sont tout de suite faits. Après on a fait d'autres activités. Dès le soir même, on allait manger une poutine. Enfin, tout le monde était là pour mieux nous comprendre et puis pour nous aider à nous intégrer et à se sentir mieux. Quand je suis arrivée, tout était aménagé. C'est-à-dire que j'avais un lit avec des draps qui étaient prêtés, un bureau et... des rangements et un lavabo. Et j'ai demandé de louer un frigo et un micro-ondes. Et après, avec les autres Français, on est allé acheter de tout à un magasin pas loin où on peut avoir des draps, des serviettes, tout ce qu'il faut pour se sentir à l'aise et un peu plus chez soi. Du point de vue sécurité au résident, je dirais qu'on se sent vraiment bien. On a un agent de sécurité au rez-de-chaussée et si jamais on a un problème, bah, on peut aller le voir ou il y a un téléphone rouge qui est au niveau de chaque étage et dès qu'on le décroche, on n'a pas besoin de composer le numéro, il répond direct. Donc à tout moment, donc c'est vraiment bien. Donc, au niveau des attraits au Cégep, il y en a beaucoup. Il y a la piscine avec mes amis, on y va tous les mercredis soirs de 20h à 21h. On s'est fait un planning. Après, il y a la salle de sport, on peut y aller aussi gratuitement quand on veut. La bibliothèque où on peut aller étudier si on a vraiment besoin d'étudier pendant 2-3 heures ou en groupe dans des petites salles pour faire des travaux de groupe. Tout le monde arrive un peu seul, donc on est tous dans le même bateau, du coup on se comprend et j'ai l'impression que les gens qui sont avec moi en résidence, ça fait des années que je les connais, vraiment.